Et bien c'est Tom Simica, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Let's Play sur le jeu Infamous 2, j'espère que ça va bien. Alors, on va continuer notre histoire, reprendre la sauvegarde de notre personnage d'Infamous 1er du nom. On avait joué en Bokarma, et on va continuer en Bokarma tout simplement. Hop, on va continuer, on va bonus, etc. Pour le moment, on verra après. J'ai abandonné la fac et j'ai pris un boulot de coursier. Surtout pour emmerder mes parents. J'étais un garçon ordinaire, juste un de ces types banals qui livrait des paquets à des inconnus. Et puis un jour, c'est un paquet qui m'a trompé. Des milliers de morts, des immeubles entiers, réduits en poussière, et au centre, il y avait moi, vivant, mais différent. Personne n'aurait pu deviner la suite. Lorsqu'Empire City a été mise en quarantaine, tout est devenu fou. D'autres gens dotés de pouvoir apparurent, et c'était à moi de faire le tri dans tout ça, de trouver qui m'avait donné le paquet et pourquoi. Même mon meilleur ami m'avait trahi et avait essayé d'avoir ses propres pouvoirs. J'avais fini par trouver le responsable, Kessler. Il m'avait tout expliqué via une vision du futur. Une bête approchait. Un monstre que moi seul pouvais combattre, à condition d'être prêt et assez fort le moment venu. Un mois plus tard, j'ai rencontré Lucy Kuo. Elle savait tout sur la bête. En fait, elle était là pour m'aider à me préparer. Son ami, le Dr. Wolf, avait travaillé sur un prototype de métasphère, et il pouvait amplifier mes pouvoirs. Je devais juste l'accompagner à New Marais. J'avais besoin de ses pouvoirs. La bête arrivait. Et je serai prêt. Moi également. Tu veux savoir, Cole? L'agent Kuo. Elle perd pas de temps, hein? L'agent Kuo. Premier bateau qui part. Elle a des relations. Ça devrait aller vite, mon vieux. J'entre là-dedans, je récupère des pouvoirs, et je reviens vite fait. Allez, mec, faut que tu te relaxes! On va à New Marais. Hey, je dois être revenu et prêt quand elle se pointera, Zek. Crois-moi, Cole, tu seras prêt quand t'auras fini de bosser avec le Dr. Wolf. Bosser? Du calme, tu m'étonnes. Dès qu'on arrive, on va se faire les 3 B. La bière, la bringue et des bons bébés. Messieurs, il me semble que vous sous-estimez la gravité de tout ce qui est en train de se passer. Et c'est là qu'on entre en jeu. Ma grâce, on a un accord. Le bateau part. Voilà. C'est tout mon monde. Vengeance. Et c'est là que c'est parti. Et non. Petit. Cole, debout, mec. Et debout, Cole. Non, qui t'en mets-tu? Il est derrière.
M'avait épuisé, vidé de mes pouvoirs. Tu m'étonnes. J'ai cru mourir. Je l'ai presque souhaité. La bête venait juste de se régénérer. Et maintenant, Empire City n'était plus. Notre bateau filait au sud vers New Marais. Les gens gardaient leur distance, par respect ou par peur. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'étais seul. Les autres s'occupaient, vaquant à leurs activités. Comme si ça avait pu arranger les choses. Mais c'était inutile. J'avais reçu mes pouvoirs pour tuer la bête. J'étais fort, j'étais prêt. Je l'avais combattu de toutes mes forces. Mais ça n'avait pas suffi. Il fallait que ça change. Le lendemain, j'ai travaillé. J'ai aidé Zek à préparer un appareil pour concentrer mes pouvoirs. Il ferait n'importe quoi pour qu'on soit de nouveaux amis. L'agent Kuo a rassemblé des informations sur la bête. En parcourant la côte, cette dernière avait détruit ville après ville. Kuo a utilisé ses contacts pour trouver un plus petit bateau. New Marais était fermé. Personne ne pouvait entrer. Il allait falloir se faufiler par le marais. J'ignore si vous avez déjà laissé tomber quelqu'un, reçu une raclée ou carrément échoué. Ce sont ces moments qui nous définissent. Ils nous poussent au-delà de nos limites et nous forcent à faire des choix, quel qu'en soit le prix. Salut, Cole. Tu sais, quand tu iras parler à Wolf, tout deviendra complètement... Zek ! Zek, coupe les moteurs ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un barrage de la milice. Si on approche, leur artillerie nous coulera. Je suppose qu'il est temps que j'aille me présenter. Attends, vieux ! Le voilà. Et t'es sûr que c'est prêt? J'espère. Essaye-le. Oh putain. Waouh. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? L'amplificateur. Bien joué, Zek. Merci, vieux. Amuse-toi bien. Ça va faire un effet monstre. Ça va faire boum. Bon, c'est des coups d'amplificateur. D'accord. Et quoi? L'agence de sécurité nationale sait ce que tu fais avec moi? J'ai déposé des congés. Pourquoi ça? Je veux dire, t'as l'air plutôt du genre réglo. L'agence compte s'occuper de la bête en lançant l'armée à ses trousses. Wolf avait une meilleure solution. Il a inventé la technologie de la métasphère.
Tu veux assez de pouvoir pour vaincre la bête? C'est ton homme. Genre il me tue quoi. Lal. Y'a un intrus! C'est un monstre! Fais-le! Ezek, cet ampli va faire l'affaire. Génial! Essaie d'en tuer quelques-uns pour moi, mon pote! Attends-toi à ce qu'ils résistent. La milice contrôle tout ce qui sort et entre du New Marais. Comment ils ont pu laisser une bande de ploucs fascistes s'emparer de la ville? La peur pousse à faire des choses bizarres. T'aurais pas dû venir ici, taré! Hop. Ça, ça serait mieux, quoi. Sauf que je vais dire. Hey mec, ça va? C'était cool. Je vais mourir comme une petite. Décidément. T'aurais pas dû venir ici, taré! Tu dois pouvoir abaisser le pont si tu l'alimentes suffisamment. C'est mieux que la nage. Mais le surcharge pas trop. Un incendie pourrait faire sauter le village tout entier. Ouais, c'est possible. J'éliminerai tous ces types d'un coup. Ouais, et ces femmes, ces enfants, ces animaux. Femmes, animaux, ouais, tu m'étonnes. Cole, merci d'avoir fait preuve de discernement. Wow. Ça va sauter! Ça va péter! Ok, on avance. Il est pas humain! Il est là! Ow! Continuez, les gars! Pas mal. Cole,
sont sérieux. Ils sont sérieux. Leur mortier est hors service. Mais je pense qu'il y a d'autres membres de la milice qui se planquent. Ok, dis-nous quand c'est bon. Il doit pas entrer en ville. Bon les gars, vous pouvez accoster. Super, on te rejoint et direction le labo de Wolf. Yes. Ok, super. Bienvenue à nous marrer. Ah, la milice a transformé cette ville. C'est plus que c'était. Tu te souviens ? Et je me souviens de New Marais. J'y suis venu il y a 4 ans quand j'apprenais à grimper. Après l'inondation, la ville était presque déserte. Un paradis pour les sports urbains. Eh, même Zek avait voulu tenter le coup. C'était génial. Dans une autre ville, quand on commence à grimper, les flics se pointent en 10 minutes. Mais ici, ils avaient déjà beaucoup d'autres chats à fouetter. Il n'y avait plus de loi. C'était sauvage. Et à part pour les gueules de bois, j'étais au paradis. Mais c'est terminé. Maintenant, ces technos parcourent les rues et observent tout le monde à la recherche de déviants à punir. La tension est palpable. Les gens ici, ils sont prêts à exploser. Et quelque part dans cette ville fantôme se trouve le secret pour décupler mes pouvoirs. Ces crétins vont tenter de me barrer la route, de me tuer pour purifier leur ville. Essaie pour voir. Z,
Zek, déplace ce bateau au moindre problème. Ok, super espionne. Tu prévois une petite fiesta? La milice devrait être sur les dents après ce que t'as fait dans le marais. Y a de quoi être agacé. Pourquoi t'as pas fait sauter les réservoirs dans le camp? Ça aurait vraiment simplifié les choses. Hey, je vais pas incinérer des familles entières juste pour simplifier les choses. Bien, c'est ce que je voulais entendre. Tu as fait le bon choix. Ça m'impressionne. Tu as agi comme un vrai pro. Allons trouver Wolf. Docteur Wolf, je suis de retour, avec ma grâce. Bien, très bien. Ok, bah nous on va mettre un terme à l'épisode là, j'espère que ça vous plaira. Pour ce tout nouveau Let's Play Assassin's Creed 2. Et bah comme d'habitude, moi je donne rendez-vous pour le prochain épisode, et puis moi je vous dis, portez-vous bien, ciao, merci.